Habitué de la taverne, bien le bonjour tout d'abord, ne faites pas gaffe à la coiffure. Comme énoncé dans un des précédents lives que nous avons fait, maintenant, chaque mois, à la fin du mois, je vais faire avec vous le bilan du mois. Comme ça, si tu es jeune youtubeur, tu vas pouvoir te rendre compte un petit peu de comment ça fonctionne. Et, chers abonnés, au moins, je serai totalement transparent avec vous. Et ça, c'est magnifique et ça nous permettra aussi de parler des futures choses qui vont se passer sur la chaîne. Alors, que s'est-il passé ce mois-ci? Et bien, ce mois-ci, j'ai pas chômé, messieurs, dames, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de vidéos sorties. Notamment en DIY, il y a eu le chapeau de Final Fantasy, il y a eu le diorama Mario Kart, le diorama Horror House, le masque de Sauron, le robot Zub, le robot Cacablotte, qui d'ailleurs au passage est décédé. On fera peut-être un enterrement, mais il a fait une terrible chute, il est mort. Il aura vécu un épisode. Le gant de Freddy, le masque de Hannibal Lecter, le masque d'épouvantail, le bateau fluvial Minecraft, et je suis actuellement en train de réaliser une tasse zombie. Mais je ne sais pas si elle va sortir ce mois-ci ou le mois prochain. Du coup, on ne sait pas. Il y aura eu pas moins de 3 lives sur la chaîne, l'air de rien. On a eu une augmentation d'abonnés avec environ 150 abonnés en un mois, un peu plus. On a eu aussi une augmentation des gains dus aux publicités, donc en tant que partenaire YouTube. Donc ce mois-ci, j'ai touché approximativement aux alentours de 50 dollars américains, donc aux alentours de 45 euros sur YouTube, juste avec les publicités. Ensuite, pour les dons, on a explosé le record parce qu'on a eu tout simplement 37 euros de dons pendant les lives. Dont un live où il y a eu 30 euros pendant le même live. C'était quand même le live épique spécial Halloween avec le concours. Ce qui me fait penser d'ailleurs, parce que je la vois dans le retour caméra, que je n'ai pas encore envoyé la main à Bastien. Mais ne t'inquiète pas, elle va partir. Alors je ne sais pas trop quand, vu que nous sommes en reconfinement. Mais tu vas la recevoir logiquement avant tes 25 ans. Ensuite, il y aura eu tout de même 2 partenariats avec des marques ce mois-ci. Donc il y a eu le partenariat avec la marque X-Pulse, où j'ai juste gagné 2 masques pour respirer, 2 masques de protection. D'ailleurs, j'avais fait un petit concours pour savoir qui allait gagner le deuxième masque, et finalement, je l'ai offert gracieusement à BMS Tattoo, parce que voilà, c'est quand même pratique quand t'es tatoueur d'avoir un masque de ce style. Et j'ai totalement oublié de vous le dire, donc il n'y a pas de gagnant pour ce masque. Même si c'est un peu con, parce que vu qu'on est en reconfinement, et ben, il ne peut plus tatouer, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite, il y a eu quand même le contrat avec WeWard, qui lui m'a rapporté 250 points d'influenceur. Donc il faut savoir que sur le site d'où je suis, qui s'appelle Influence for You, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez vous inscrire si vous êtes youtubeur, et essayer de faire des partenariats avec des marques. Moi, j'en ai déjà fait une dizaine ou une quinzaine. Avec des marques connues ou pas connues, par exemple X-Pulse, je ne connaissais pas, et j'ai déjà fait une marque avec Ubisoft France, enfin un partenariat, donc voilà, pour vous dire à peu près. Et nous sommes rémunérés de façon différente à chaque fois, selon la marque, selon le projet, etc. Donc en règle générale, c'est très rare que je sois payé avec du vrai argent. En règle générale, soit on reçoit le produit gratuitement tout simplement et déjà c'est sympa, ou soit on a des points, donc on cumule des points sur notre site, et une fois qu'on a atteint un certain nombre de points, on peut débloquer des cartes cadeaux chez Decathlon, Amazon, etc. Donc il s'avère que j'ai débloqué ma première carte cadeau en tant qu'influenceur, qui est de 10 euros chez Decathlon. Alors bon, ça commence doucement, mais une victoire est une victoire, qu'elle soit petite ou grande, il faut la célébrer, donc c'est quand même une bonne chose. Voilà, il y aura eu aussi un partenariat qui va arriver, mais je ne vous en dis pas plus parce que je suis sous silence professionnel. Et il y a eu aussi une demande de partenariat à As l'Épouvantail, qui est venu un jour sur la chaîne, mais qu'on n'a pas de nouvelles depuis. Donc je ne sais pas si c'est un partenariat qui se fera un jour, si lui aussi recevra sa petite lampe en échange d'une petite pub. Nous verrons cela le mois prochain. Enfin, côté finance, parce que c'est là que ça nous intéresse. Donc, comme je le disais, j'ai touché approximativement 45 euros avec les pubs YouTube et 37 euros de dons. Cela étant, j'en ai dépensé pour 70 euros en tout pour matériel créatif, etc.
Ce qui fait que déjà je suis à perte, quoi qu'il arrive, parce que j'ai dépensé plus que j'ai gagné. En plus, il faut savoir que, je le rappelle pour ceux qui ne le sachent pas, quand tu es partenaire YouTube, tu as un palier de tes gains. C'est-à-dire que si tu n'atteins pas le palier, tu ne touches pas ton argent YouTube. Le palier est bas, hein, ça doit être 70 euros, un truc comme ça. Mais tu peux changer le palier, donc moi je l'ai mis à 400 euros. C'est-à-dire que je ne toucherai mon argent YouTube que quand j'aurai atteint 400 euros sur YouTube. Donc autant te dire que soit ça peut aller très vite, soit ça peut mettre un an pour une chaîne comme la mienne. En règle générale, ça a assez augmenté le nombre de vues ces derniers temps. On est quand même dans le positif dans toutes les statistiques de la chaîne, donc il y a peu de chances que ça mette énormément de temps. Et ces 400 euros serviront, comme je l'ai déjà dit, à acheter un drone pour pouvoir potentiellement faire des urbex si un jour, on a le droit de ressortir de chez nous. Ce qui, visiblement, n'est pas gagné non plus. Donc voilà pour le bilan de la chaîne principale. Il y a aussi, je vous rappelle, la chaîne secondaire, où là ça va aller nettement plus vite. Donc la chaîne secondaire qui est une chaîne consacrée au gaming, dont je ne m'occupe absolument pas. C'est une chaîne totalement en freelance, il n'y a quasiment aucun montage, je m'en fous littéralement des commentaires, etc. C'est juste pour poster tout ce qu'on fait dans le gaming, histoire d'avoir toujours un pied dedans. Donc il y a quand même eu néanmoins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sorties vidéo dessus pendant le mois. Nous avons gagné un total d'un abonné pendant le mois. Donc nous sommes toujours à 150 abonnés sur cette chaîne. Je rappelle que le lien est dans la... Oh, t'as qu'à vomir dans la vidéo, sinon que le lien est dans la description. Et qu'elle s'appelle Les Vieux Gamers. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette chaîne, parce qu'il ne s'est absolument rien passé. Elle n'est pas monétisée, etc. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, j'espère que ce petit bilan vous aide à comprendre à peu près comment fonctionne YouTube et à peu près à voir comment je ne gagne absolument pas ma vie sur YouTube. Hein. Je suis même quasiment chaque mois à perte financièrement parce que le matériel me coûte plus cher que ce que je gagne. Mais bon, je l'ai voulu, je l'assume. Ensuite, grosse nouveauté. Pour ceux qui étaient là hier, vous l'aurez remarqué, on a fait énormément de tests de live toute la journée, hein. Et on en a fait un le soir, avec la particularité cette fois que le live était lancé de chez BMS Tattoo. Et que moi j'étais ici dans la taverne, ce qui fait que maintenant nous faisons des lives en visioconférence, mais avec une nettement meilleure qualité. Et surtout on l'a fait sur OBS, donc on peut rajouter énormément de choses, et surtout on va pouvoir faire des lives bien plus sympathiques que ce qu'on vous proposait actuellement, parce qu'on va pouvoir tout simplement aussi regarder des vidéos sur le net en même temps que vous. Et ça, messieurs, dames, ça promet d'être quelque chose. Et du coup, on s'est dit que comme on réussit à faire des lives à distance, et qu'en ce moment, c'est la merde, et que je pense que le petit peuple français, il en a plein le cul, il est en dépression, et ben on s'est dit que quasiment tous les soirs, on allait faire un live de 2-3 heures avec vous pour enjailler un petit peu votre vie, parce qu'en ce moment, c'est grave la merde. Donc voilà, je vous invite à checker votre téléphone, votre PC, votre tablette, etc., votre télé, parce que quasiment tous les soirs, il va y avoir un live de la taverne et de BMS Tattoo où on va rigoler, on va déconner, on va décompresser, on va en foutre plein la gueule au gouvernement, bref, ça va être... funky. Voilà, donc je pense que ce soir il va y en avoir un, donc en règle générale ils vont débuter entre 9h et 10h, donc voilà, je vous dis donc à ce soir, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette petite vidéo bilan vous aura plu, il y aura des changements à venir, mais voilà, ça permet au moins de voir comment vit une chaîne YouTube. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des big bisous et je vais y aller parce que je suis en train de serrer de la gorge, là c'est un truc de dingue. J'ai l'impression d'avoir fait v'là la teuf cette nuit. Allez messieurs, dames, la taverne vous salue.